Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins de nouvelles pour ce samedi le 17 avril. Nous demain avec Bon Transit. PC à la retraite, il bénéficie avec un nouveau bazar avec les autres facilités LAPIS. L'essence militante, la force excessive peut reprendre après plus qu'un an qui sa coopération s'est arrêtée en vue pandémie COVID. Premier résultat préliminaire qui bateau recès Greenpeace in fait au plateau Mascareille, il montrait qu'il y en a beaucoup d'espèces marines et une grande superficie zèbre en mer. Opérateur Talk Shop, Côte Bonne l'école, il y a présent dans l'association qui s'est officiellement lancée bon matin. Nous allons le bon détail sa bulletin à présent. PC la retraite, il y a un nouveau bazar. C'est l'Union européenne qui finance construction sa bazar. Au beau bazar, il y a aussi on a les autres facilités la pêche, telles que nouveau store, l'équipement et ice plant. Ministre désigné, qui est aussi ministre pour la pêche et que l'économie blé, Jean-François Ferrari, ensemble avec l'ambassadeur la France ici, Dominique Mas, qui officiellement inaugure sa facilité beau matin. C'est l'association PC La Retraite et SFE qui poussait cette bonne facilité la pêche conjointement. Pour ça, samedi bon matin, il plutôt besoin que Jean-Paul Dubel il met le bazar pour vendre. Jean-Paul est parmi les premiers PC pour servir sa nouveau bazar à la retraite. Il fait la pêche depuis l'âge de 15 ans. La pêche et son gagne-pain, c'est tout là que la famille a dans son propre bateau. Ils font partie d'environ 75 PC sortis de la retraite qui étaient habitués à vendre poisson par les besoins et vieilles au bord de ses mains, mais là, ils ont pu servir sa nouveau bazar. Sa bonne PC a l'habitude de la pêche bien bon matin et retourne le tard après-midi. Il y a une quantité, vu qu'il y a un ice plant, un petit bazar, mais poisson, les deux places à terre, au palais. Comprends? Ça veut dire là, nous ne pouvons pas poisson à terre. Là, nous avons besoin de mettre un quantité, pas nous pouvons faire là. Comprends? Et puis, bon, pour dire que les gens viennent, les poissons, les deux places à terre, au palais. Sa nouveau bazar, et même l'endroit qui sont habitués à vendre poisson, ça aide à contour en s'étoile avant pour en semer la retraite. Bazar est officiellement ouvert par le ministre désigné, qui est aussi ministre pour la paix et l'économie blé, Jean-François Ferrari. Et l'ambassadeur de la France ici, Dominique Mas. Monsieur Ferrari met l'emphase sur la nécessité pour passer à la retraite, prend responsabilité pour les autres bazars. Ça pose et pour les autres. C'est les autres qui peuvent occuper. C'est les autres qui peuvent faire l'aliment assez. C'est les autres qui peuvent faire l'aliment succès. C'est les autres qui peuvent bénéficier. Mais il y en a une condition. Condition, c'est que c'est les autres qui occupent ça pose. À cause de pour les autres. J'ai besoin de prendre une responsabilité. Je connais ce qui est capable de prendre une responsabilité. À cause de gens ici qui m'ont gagné ça, grand honneur pour moi, faire connaissance avec, laisse poser, tu peux développer. Et je connais pour dire que les cœurs pour ça poser, les cœurs pour ça distribuer, et j'ai envie de aller réussir. Moi, je suis content de voir que ça l'endroit, il développe, il vient dans l'endroit social, et l'endroit familial. Moi, je suis content de voir que madame, sa bonne PC qui sont retirés dans la maison, ils viennent là, ils viennent assises là, ils viennent espérer, ils viennent ici. Et qui, il y a un endroit de rencontre, il y a un endroit de partage, il y a un endroit où les gens vivent et ils partagent, ils vivent dans l'harmonie sociale qui est importante pour nos pays. Sa bonne facilité pour passer la retraite n'arrive environ 5 millions de roupies et est financée par l'Union européenne. Il y a dans sa bazar lui-même, store l'équipement qui a 15 units et qui peut gagner l'eau avec PC, ice plant, un parking et bande ponton qui PC est servi pour un bateau. Je connais ce point de vente de poissons et que je suis désormais content que les pêcheurs de la retraite puissent disposer d'infrastructures qui leur permettront de commercialiser, de stocker leurs poissons dans des conditions sanitaires appropriées. Cet investissement a été rendu possible grâce au fonds dédié à l'appui de la pêche artisanale dans le cadre de l'accord pêche entre l'Union européenne et les Seychelles. Cet accord contribue pour presque 10 millions d'euros par an aux revenus des Seychelles. Mais l'accord de pêche, c'est aussi un soutien à la filière artisanale qui alimente les marchés des Seychelles. L'appui sectoriel au développement de la filière locale a évolué. Il a dans un premier temps soutenu le développement des capacités de pêche, c'est-à-dire la construction de bateaux de pêche. Et aujourd'hui, il est plutôt orienté vers la transformation et la commercialisation locale du poisson à travers des filières courtes. 5 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 84 millions de roupies, seront consacrés au cours des 5 prochaines années
pour aider les entreprises privées de petite et moyenne taille dans les secteurs de la transformation et de l'exportation des produits de la mer. Chairman de l'association PCL à retraite, Dimitri Meden, indique que l'association PCL est encore peut discuter avec SFE, le qui manière les autres pour partager coûts, entretenir nouveaux bazars et les autres facilités. L'association PCL à retraite est créée 4 mois passés. L'association nous fait collaboration avec SFE. Quand SFE pour jouer un rôle, nous aussi nous pour jouer un rôle. Le finance aussi, il faut même parler. Quand il parle de l'association et il parle de SFE. Nous, côté nous funding, nous pouvons gagner par Gear Store, Fish Market et les facilités que nous avons ici, including the ice, et clear ice. Combien il peut coûter pour maintenir sa facilité? Well, those figures, je ne peux pas at the top of my head pour la fête de moi, comme si pour maintenir sa bonne facilité. C'est vraiment qu'on a un contrat avec la compagnie de sécurité. Peut-être qu'il y a un contrat qui pour la compagnie de cleaning. Est-ce que fini pledge quand c'est là, ça peut donner pour maintenir la facilité? Non, c'est vraiment qu'il finit agréé comme quoi sa facilité pour un collab association avec SFE. So whatever the outcome is, we're going to have to come both together, because the association itself, I don't believe, will be able to maintain these facilities les autres même les ice. So il est important que SFE il donne sa support financier pour capable quitter sa facilité par y était. Il y en a aussi une banque qui l'accompagne à l'Axman Bay in financer. Il y en a un plan pour aussi développer un slipway pour bateau. Sa nouveau bazar est ouvert à l'étang qui est fait puis aussi commence à implémenter son nouveau plan pour aider d'une façon plus soutenable la pêche sur le plateau Maé, si tout le temps concerne ben l'espèce pareille bourgeois exobrui. Bonne différentes licences militaires entre l'armée Sicile et l'armée française peut recommencer après plus qu'un an, qui ça il n'a pas à cause de la pandémie COVID-19. C'est la force défense, colonel Michael Rosette, il dit que l'opération qui bat le bateau militaire français il fait dans l'océan Indien il est porteur de cadre la lutte contre une activité illégale. Colonel Rosette, type cause à bord bateau Nivos, et sa bonne bateau militaire français qui fait surveillance dans l'océan Indien dans le cadre de la lutte contre le trafic d'orgue. C'est le bateau Nivos qui est discussion de fait ou la façon que l'essence militaire entre Sicile et la France pourrait commencer après plus qu'un an qui est arrêté à cause de la pandémie COVID-19. Ministre des Affaires étrangères Errol Fonseca, ex-chef de la force défense, colonel Michael Rosette, se joint avec l'ambassadeur français ici, Dominique Mas, et commandant bateau Nivos, Frédéric Barbe, pour discuter de la façon sa coopération militaire entre Sicile et la France est capable d'améliorer. L'ambassadeur français dit qu'il prend beaucoup plus l'essence en sa de la force militaire. Cette coopération, elle est très stable d'abord, parce que nos bateaux, comme on le voit, patrouillent, n'ont jamais arrêté. Elle a été interrompue en termes de formation et d'échanges humains, pour les raisons que vous imaginez. On est très pressé de la reprendre. Notre attaché de défense a discuté avec vous, colonel, de cette reprise qui passera par des formations. Vous savez que nous avons commencé la formation de parachutistes séchelois qu'on a dû malheureusement interrompre à La Réunion pour les raisons du Covid. On espère qu'on va pouvoir la reprendre rapidement. Nous allons avoir sur les 4 mois qui viennent à peu près, je pense, si tout se passe bien, une escale navale tous les mois pratiquement, avec notamment un bateau militaire hydrographique donc qui travaille sur la recherche aussi. Et nous allons progressivement, en fonction de l'évolution de la crise, reprendre ces formations, inviter, accueillir des militaires séchellois dans nos écoles interrégionales ou nos écoles en France, et venir ici autant que possible pour former les gens sur place. Nivos fait plus qu'un mois l'an mai dans le cadre de la lutte contre le trafic d'orgue. Sa bateau, il y en a à peu près 140 soldats français à bord et type CV nord l'océan Indien. Pendant son opération l'an mai, il saisit plus que 4 tonnes d'orgue. Il en a 1247 kg hashish, 1233 kg héroïne et à peu près 1333 crystal meth. C'est la force défense Sicile, colonel Michael Rosette, il a accueilli sa visite, vu que la dernière fois que sa bateau est venu Sicile, c'est en 2019. Les travaux qui ont été menés par la frégate Nivos au niveau de l'océan Indien, c'est très important. Il y avait plusieurs prises de la drogue qui a été faite
pendant leur mission au nord de l'océan Indien. Et ça a réduit la quantité de drogue qui ont été arrivées sur le marché et donc qui affectent tous les pays de la région. Au départ de Nivose, on va faire des exercices conjoints entre les Coast Guard, les Seychelles et le Nivose. L'ambassadeur français Dominique Mas il dit que la présence militaire française dans l'océan Indien pas descendre, même si bonne activité piraterie est réduite. En termes de présence et l'influence des autres pays de l'océan Indien, il dit que ça est nécessaire à cause de la menace par le trafic de drogue qui peut augmenter sorti nord l'océan Indien. Vous le savez, notamment sur cette zone, on est couvert par l'opération européenne NAVFOR. Il y a régulièrement des bateaux français qui sont engagés dans cette force. Nous avons entre 2 et 4 bateaux en permanence dans la zone. Et vous le savez certainement, on est en train de négocier une nouvelle convention entre l'Union européenne et les Seychelles, justement pour élargir le mandat de l'UNAFOR et travailler non plus seulement sur la lutte contre la piraterie, qui existe toujours mais un peu moins, mais aussi sur la lutte contre les trafics, notamment de drogue, les trafics d'armes et les trafics de charbon. Et tout ça dans une perspective, il faut voir que tout ça est intégré. Comme le disait le commandant tout à l'heure, quand on lutte contre la drogue, on lutte aussi contre les revenus des terroristes. Et j'en parle parce que malheureusement, nous pensons tous en ce moment à nos amis mozambicains qui ont souffert d'une attaque terroriste. Voilà, donc ces choses sont liées, c'est pour ça que le mandat a été élargi. Que pense la France au niveau de cette présence de l'Inde dans l'océan Indien, au niveau des liens historiques à la France avec les pays de l'océan Indien? Dans cette lutte, il y a effectivement, alors ils ne font pas partie de l'UNAFOR puisqu'ils ne sont pas européens, mais il y a effectivement un certain nombre de navires, pavillons étrangers qui circulent dans la zone, dont les navires indiens. On a une excellente coopération avec les navires indiens. Je pense que très prochainement, nous aurons un second navire indien qui fera une escale technique à La Réunion. On est, je pense, sur la même longueur d'onde, je dirais, sur la même compréhension dans la lutte contre ces trafics. Et vous savez combien l'Inde a souffert, elle aussi, des attaques terroristes. Nivose, il fait des ouds en port et il retourne La Réunion. Et nous restons aussi c'est l'océan et que bateau, mais dans un autre contexte. Résultat préliminaire, l'expédition qui est bateau Greenpeace in fait, le banc Sayed Mala, le plateau Mascareigne, qui est situé entre Maurice et Cécile, y montrait qu'il y en a plusieurs espèces la vie marée qui peut vivre dans cet endroit et il y a un endroit important dans la lutte contre le réchauffement climat. China Talma et Zen scientiste la marine cécilois s'y forment pas sa mission qui s'y fait à mois passé. Sa l'exposition s'y fait à bord bateau Arctic Sunrise. Dans l'endroit bien isolé dans l'océan Indien, le plateau Mascareigne de la mer internationale entre Cécile et Maurice, il y a une montagne en bas la mer qui s'appelle Ban Saya de Mala. Scientifiques croient que dans cet endroit, il y a la plus grande quantité de plantes qui poussent dans la mer, ça s'appelle zèbre en mer, ou bien seagrass, qui couvrent un étendue plus que 250 fois grosse marée. Ça est important que ces plantes absorbent dioxyde de carbone et capable de jouer un rôle important pour lutter contre le réchauffement de la Terre. Et pour cette raison, le bateau Greenpeace Arctic Sunrise, avec une équipe scientifique à bord, il est dans sa région isolée, qui se situe entre Maurice et Cécile, comme partie d'une campagne internationale pour protéger l'océan. Ce bateau Tita a passé, quitte Port Victoria, après qu'il amasse un bon membre de l'équipage. Most people acknowledge that we're in the middle of a climate emergency, and we need to think about all the different ways that we can. All the different tools that we have at our disposal to try and avert this emergency. And protecting these areas is one way of making sure that we're not making the climate emergency worse, but also we have that ability and that valuable ecosystem in the future for future generations. En phase tu arrives là-bas, ben scientiste, tu commences à faire le travail. Parmi membres de l'équipage, c'est le scientiste la marine cécilois, China Talma, qui t'a aidé lui aussi pour amasser plusieurs échantillons pour identifier sa plusieurs mille espèces qui peuvent vivre côté Saya de Mala. Ça est plus important que China nous envoie nous devant différentes espèces qui peuvent vivre dans cet endroit. Nous avons besoin de faire recess pour nous connaître quoi ça qui reste dans la mer, right? Pas juste pour nous l'économie, mais aussi pour la conservation. Si nous ne connaissons pas quoi ça qui est là, mais nous pouvons
si il y a l'endroit qui est important. Particulièrement, nous avons regardé les baleines et les maçons. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cassalots que nous avons. Et quand nous venons de l'OCCL, le transit, il y a un cassalot pré-war Bird Island et Dennis Island. Et nous trouvons des trois différentes qualités d'espèces dauphins aussi. Et oui, vraiment intéressant, parce que pareil, moi, je n'ai jamais des avoir un cassalot. So, pour moi, tiens, it was a real privilege pour moi d'avoir un up close. Et ce qui est important, il nous besoin de connaître la population connectée. Okay, alors, bonne baleine par cassalot, il a trouvé un peu partout à cause de la travel dans une grande distance. Et moi, ce qui est important, à cause de faire un baseline work, là nous avons un service à l'information, nous connaissons plus. Si on n'a aucune expédition de Fiti qui besoin de l'information, nous avons faire ce qui tous les détails incorporés. Bon opérateur Talkshop, coup de bonne l'école, il officiellement lance l'association Bon Matin, chairman nouveau l'association ici. Qui ça y va dans une plateforme pour bonne membre et sans idée les différents points parmi façon pour diversifier les autres business pour continuer zéner revenir les temps n'a pas l'école. C'est la présence chairman la somme comme Cécile qui bonne opérateur Talkshop qui officiellement lance l'association. Monsieur Joseph Payette est chairman, Dianette Etimier vice-chairman et Maria Célestine secrétaire avec quatre membres ordinaires. Imse Payet dit que sa groupe opérateur a commencé discussion pour créer sa l'association depuis commencement bonne restriction contre la pandémie COVID-19 l'année passée. Côte bonne opérateur t'y voit qu'ils ont participé gagne aucun revenu vu qu'il l'école s'est fermée pour un peu plus qui des mois et qui ça l'en est aussi l'école est fermée pour moins des mois. Un bon bisa l'association y a alors pour aider opérateur Talkshop pour diversifier les autres business pour qu'ils obtiennent plusieurs sources de revenus pour soutenir les autres. Réunion l'idée l'autre façon pour capable dire au connaît ça Talkshop pas peut aider ou besoin les autres quelque chose encore pour capable soutenir comment Talkshop operators la côte ça bout côté entre que nous pour capable encore une table à porter ici pour habout training important qui moyen nous capable ou de façon nous diversifier nos business. Là nous dans l'école il fait mais après dehors l'école les vacances nous n'a pas business mais nous n'en envie pareil tout pour l'encourage donc déjà avec une texture prothèse pareil moi dans qui était rien à part qui l'école nous envie montrer ça bonne l'expérience pareil mon idée pour moi l'expérience qui moi non montrer aux autres pour dire qui moi nous capable diversifier nos business pas dépendre juste de texture prothèse. Chairman l'Assemblée commerce, Oliver Bastienne, indique qu'il est impressionné avec sa petit groupe opérateur, même si ils ont beaucoup de défis, mais qui se bon défi, ils bonne, qui sont capables de s'y monter. Ça peut struggle, à cause de struggle, you know, est-ce que l'avancement qui peut gagner fait y a assez, y bien, ou bien il y a un problème? Exactement. Il faudrait nous comprendre ce bon problème. Il faut nous tous assiser, comprendre exactement le problème qui nous peut gagner pour manager le business. Il est important que nous regardions bonne conseil qui sont en train. Le côté, on nous dit pareil pour manager un balance sheet, un profit and loss, qui est pour faire le costing. All these things, c'est quelque chose de pratique. Et il faudrait nous regarder qui est nous travailler avec SA. Si le gouvernement y a une facilité à notre disposition, on nous regarde qui nous a collaboré avec les autres pour faire ainsi, qui nous peut donner sa support, le côté capacité pour bonne membre. SCCI a aussi fait une donation de 1 000 roupies après que le chairman de l'association a annoncé qu'ils ont ouvert un compte à la banque. Il ne sait pas, à présent, demande les autres opérateurs Talkshop pour joindre l'association pour qu'ils soient capables de causer avec un seul la voix les autres en bon différents points pour mener contre l'autorité.
Ministère de la Santé a détecté 41 nouveaux cas COVID-19. Ça, depuis dernière mise à jour, hier, vendredi, les 16, dans sa bonne nouveau cas. Il y en a un bon marin et travaillait dans des, la compagnie construction. Ça a communiqué le ministère de la Santé pour donner plus de détails. Qui ça? Par contre, 36 personnes sont sorties en isolation. Et ministère de la Santé peut demander du monde pour continuer à pratiquer bon différents mesures de la santé qui aident pour empêcher ce virus COVID propagé. Et pour aussi download app contact dans Google Play Store et pour noter bien bon endroit où vous allez. Ça, ministère de la Santé dit, va faire les facile pour faire contact tracing. Merci pour qu'ils suivent. Passe une soirée agréable pour suivre la récent programme USBC.